Amicaliste, bienvenue au Stade Rennais où aujourd'hui on va parler de la préformation et plus précisément évidemment des U15. Moi je m'appelle Romain Ferrier, donc je suis en charge depuis le mois de janvier de la préformation au Stade Rennais. Alors les U15, c'est une catégorie charnière dans le sens où c'est les premières années du foot à 11. Il y a un temps d'adaptation par rapport au foot réduit. Il faut commencer à les préparer à ce qu'ils vont pouvoir endurer pour ceux qui ont la chance d'intégrer le centre de formation. Et donc aujourd'hui, par rapport à notre travail hebdomadaire, cette séance sera consacrée justement au travail de transition, un petit peu leur faire comprendre pourquoi la transition et pourquoi c'est devenu important. Les U15 ont des difficultés dans le sens où ils ont du mal à se projeter d'un mode défensif à un mode offensif et inversement. On met en place très régulièrement un cheminement technique qu'on appelle le corver, et là-dedans c'est un fourre-tout. On peut mettre déjà sur le corver déjà une notion d'animation offensive sur un corner, mais évidemment il est fait avant tout pour travailler la vitesse gestuelle et le travail de pied. Et ensuite on travaille, après c'est vrai qu'il y a des thèmes aujourd'hui, par exemple c'est conservation plus progression avec un objectif sur la fin. Tout en étant organisé, il va falloir très rapidement organiser la perte du ballon. Voilà. On commence. Corver, 30 minutes. Donc échauffement technique, très exigeant sur prise de balle et transmission, ok, beaucoup de rythme. Ensuite on enchaîne sur une conservation important, la notion de transition, et enfin on termine par un jeu, donc deux évidemment avec une finalité but, mais avec toujours en rapport au thème du jour qui est la transition. Donc retour au calme, étirement, un petit débrief, deux mots sur ce qui s'est passé, ce qui a été bien ou pas bien, et puis voilà. Ok, donc on partira comme tous les mardis par un corver pendant 30 minutes. On accentuera beaucoup sur la transition, okay, et le comportement à la perte du ballon. Ça va demander beaucoup d'énergie. C'est parti, on commence par une mobilisation générale. Allez, une demi-heure. Au départ, le rythme est très léger, hein, et petit à petit, je vais être assez intransigeant sur la réalisation technique, déjà sur les prises de balles, très importantes, sur le rythme de passe et sur le rythme de course aussi. Le travail de corver, donc un travail de corver, c'est sur une durée de 30 minutes. Le travail de corver, en fait, c'est la mise en place d'un cheminement. Donc là, il va y avoir un triangle, ok, un triangle. Il y aura les joueurs ici, sur chaque plot, en miroir, voilà. Donc sur une distance, on va dire à peu près des 18 mètres, 18 mètres ici, jusqu'à peu près à la sortie du rond central. Et là ici, des portes. On va travailler un petit peu, bon déjà, le but avant tout, c'est de travailler techniquement, ok, les rapports de transmission et de prise de balle. Avec un cheminement simple, ok, ça se déplace, on suit un espèce de passe-essuie. Ici donc, il y a la porte. Donc, dans un premier temps, on prend le ballon ici, on la joue ici, prise de balle simple dans la porte, on cherche ici. Donc il y a deux ballons qui partent simultanément. Ici, ici, il y a des joueurs partout, on double selon les postes, bien évidemment. Donc là c'est pareil, ça cherche ici. Par exemple nous, on aime beaucoup que les excentrés en position offensive rentrent à l'intérieur pour créer en faux pied ou pas des difficultés à l'adversaire. Donc là on peut très bien mettre une petite coupelle, on la mettra ici, une petite coupelle lointaine. Et dans le temps de passe, le joueur hop, va venir se présenter ici, prise de balle à l'intérieur. Et ensuite on continue sur notre corner. Donc là ici, au niveau du triangle, simplement transmission, prise de balle, transmission. Donc après évidemment, on va insister sur la notion de vitesse d'exécution. Très peu de temps entre la prise de balle et la transmission. Donc ça,
très important. Notion aussi de se dégager de cet adversaire qui peut être le plot ici. Okay. Ensuite, on y ajoutera aussi tout simplement un pass, un redoublement de passe pour éliminer ce con. Okay. Je viens ici, je me présente, je viens tout de suite en soutien du joueur. 1, 2, je la donne ici, il me la rend, il se représente ici, je lui redonne. Ok. Et enfin, on peut y adjoindre aussi une notion de communication qui est très importante et il faut déjà les sensibiliser à cet âge-là à communiquer. Donc là, en fonction du joueur, en fonction de ce que va donner comme information le joueur qui a le ballon, tout simplement, deux mots, seul ça vient. Si le joueur on lui dit seul, bah, le joueur peut faire une prise de balle, éliminer son plot. Si on lui dit ça vient, il nous la remet en une touche et on fait exactement ce que je viens de démontrer là. Allez, on se met dedans. Retour par rapport à l'exercice technique qu'on vient de faire. Conserver quand même dans les enchaînements beaucoup de vitesse gestuelle. Okay, mettez-vous comme si c'était dans un match. Parce que c'est facile de le faire à l'arrêt, sans trop de rythme. Mais après, là, dans les conditions match, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, jusqu'à 70 ans, 80 ans, je pourrais faire ça. À deux à l'heure, je peux le faire, hein, même vous. Hein. Par contre, vous mettez un peu d'intensité. Déjà, sur ce genre d'échauffement, en match, vous aurez plus de facilité à le faire. Donc là, le deuxième exercice, c'est donc un jeu de transition. Donc pareil, on va partir sur 30 minutes de transition, 4 passages de 6 minutes. Ça fait 24, plus le temps de changer. Ok, donc là, on joue sur les 40 mètres dans un premier temps. Ok, le rond central est ici. Je mets déjà en place mon organisation. Donc ça sera du 9 contre 9. Et la particularité, donc là, ici, jusqu'à la fin du rond central. Donc c'est sur 40 mètres. Ok. Donc là, je mets en place mes joueurs. Et donc en face, il y aura 6 joueurs. 7 pardon. 7 qui vont chasser. Donc c'est un 9 contre 9. Et il y aura 2 appuis. 2 appuis sur le côté. L'équipe est en possession. Évidemment, ils sont en supériorité numérique. Donc on travaille la transition. Donc dans un premier temps, l'équipe est à plus 2. Ok ? Plus 2 conserve le ballon. Par rapport au cheminement qu'on peut mettre en place et l'animation offensive qu'on peut mettre en place. Le but du jeu pour les rouges, c'est évidemment de récupérer le ballon. Et dès cette perte de balle, les verts vont chasser tout de suite pour récupérer le ballon. Les rouges, s'ils arrivent à se faire deux passes à l'intérieur, un point. S'ils arrivent à faire deux passes et ils arrivent à trouver un appui sur le côté, c'est deux points supplémentaires. Un point à l'intérieur, plus deux si on trouve à l'extérieur. À la perte de balle, les sensibiliser tout de suite pour passer en mode défensif, tout de suite, et récupérer le ballon. Pourquoi ? Parce que cette transition est très importante. Le but, c'est de récupérer dans ces instants où l'adversaire n'est pas encore organisé pour mettre en place son jeu. C'est là où ils sont le plus vulnérables pour récupérer les ballons. On perd le ballon, mais il se passe tout de suite quelque chose. On change de mode tout de suite. On passe d'offensif à défensif. Alors si on voit que c'est trop facile pour les 9 verts en l'occurrence, et là dans ces cas-là, on essaiera de sensibiliser en réduisant le nombre de touches pour qu'on puisse créer une certaine erreur technique. Les 7 rouges quand même, en s'organisant et en lâchant peut-être quelques joueurs à l'opposé, vont quand même leur poser de grands soucis. Ensuite, on agrandira un petit peu en largeur, et on intégrera l'égalité numérique. L'égalité numérique, par contre, avec un objectif pour les rouges, à la récupération du ballon, on partira toujours des verts. Donc les verts auront le ballon. Le but du jeu, c'est de partir en stop ball et d'arrêter donc le ballon dans la partie adverse. Les gardiens ils seront en place ici
Donc pendant 6 minutes, 6 minutes les joueurs vont repartir, les joueurs verts vont partir avec le ballon. Les rouges, dès qu'ils récupèrent le ballon, s'ils peuvent, ils cherchent directement le gardien. Donc là, on va travailler pareil, la transition en avançant évidemment. Il y a une progression qui est faite. On essaiera d'arrêter le ballon dans la zone adverse. Si elle est récupérée avant, tout de suite, on chasse. Et là, la notion de transition est primordiale. Donc là, on élargit évidemment puisqu'on jouera sur le demi-terrain. Donc on aura toute la largeur en 9 contre 9. Évidemment, ça sera un petit peu condensé. Et là, on mettra le but en place sur la ligne médiane. Voilà. Donc, en organisation, pareil. 3-5-1. En face, en miroir, pareil. Même organisation. Et là, le but du jeu, c'est valider l'équipe. Pareil, on partira sur un temps de jeu où l'équipe verte aura le ballon. On partira sans arrêt avec eux dès qu'il y a une perte de balles. On partira avec eux. L'équipe verte attaque. L'équipe rouge, dès qu'elle récupère, si elle arrive à faire un certain nombre de passes, elle marque un point. Et en plus, derrière, si elle va marquer, ça sera 2 points supplémentaires. On va jouer en 2-5-1. Vous allez mettre déjà les dossards. Les gardiens sur ce thème-là, je vais vous expliquer. Il y aura un gardien qui sera juste à l'entrée de la surface et juste là au niveau des coupelles. Okay, vous allez jouer au niveau de la transition. L'équipe qui récupérera le ballon, s'il vous touche très rapidement, marque un point. Ok, je vais la expliquer là, le temps qu'il se mette en place. Donc vous êtes actif, vous pouvez bouger sur toute la largeur. Ok, pour demander une solution. Pour l'instant, c'est juste une conservation. Ok, avec une progression évidemment. Et après, donc il y a deux séquences comme ça de 6 minutes. L'équipe qui sera en conservation, si elle arrive à passer la ligne en stop ball, elle marquera un point. D'accord. Par contre, si l'autre récupère et vous cherche, ok, elle marquera un point elle aussi. Compris? Donc les gars, on se rapproche, on se met en structure, on tourne les trois gardiens. Ok, c'est parti. Donc première séquence, 6 minutes. Les rouges partent avec le ballon en conservation. Un minimum de touche, déplacez le jeu. Ok, encore après les rouges, encore Alexis. Et les noirs, si cherchent le gardien, vous êtes bon, les gars. Vous êtes prêts. Donc juste un petit retour sur la séance, sur le premier exercice technique de Corver qui a duré 30 minutes. C'est un exercice qu'on peut faire durer. C'est sûr qu'après il y a une certaine lassitude peut-être dans la durée, mais il faut beaucoup beaucoup animer pour que les joueurs restent tout le temps en activité. Ça demande beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie mentale pour rester dans cet exercice-là. Et donc le rôle de l'éducateur a une grande importance dans l'animation. Donc sans arrêt, surtout sur ces âges-là, être derrière eux. Donc la conservation, on a vu que sans mettre un objectif à l'équipe qui conservait le ballon, ils n'avaient pas réellement de but. Très facilement, l'équipe adverse venait se caler très haut. Très rapidement, la feuille bascule sur un but, un objectif pour l'équipe, notamment le stop ball. Ensuite, ça a permis d'étirer l'équipe et d'avoir un semblant d'organisation. Ensuite, sur le jeu,
Il y a une équipe qui était en difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas bien organisée. L'organisation est hyper importante pour une transition parce que c'est compliqué de chasser les uns après les autres. Et comme j'ai pu leur dire à un moment donné, il y a des temps de transition, 2, 3, 4 secondes maximum. Voilà pour le débrief. Comme je leur ai dit, il faut qu'ils s'inspirent un petit peu de ce qui se fait au plus haut. Donc une chose, bon, on a beaucoup parlé pendant la séance, du moins j'ai beaucoup parlé. Par contre, vous n'avez pas beaucoup parlé. Parce que la transition, tout de suite, il y a une impulsion qui est donnée, évidemment par l'activité que vous allez mettre, mais aussi par la voix. Dans le foot moderne, c'est hyper important la transition. Regardez un peu, dès la perte du ballon, ce que fait Paris, ce que fait Barcelone. Regardez un peu Manchester City, vous allez voir un peu. Parce que l'attaque placée, c'est bien, on essaie de la mettre en place. L'animation offensive, c'est bien. Et si on arrive à gratter les ballons en phase offensive sur une transition, on est tout de suite devant le but aussi, hein, les gars. Et c'est ce qu'ils font très bien les grandes équipes. Ils sont capables de faire du jeu, capables d'amener le ballon de très bas vers très haut, mais ils sont capables aussi de gratter des ballons très haut sur des situations hautes et tout de suite, avec les joueurs qu'ils ont, ça paye.